et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose viande hachée au riz. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. Salam astikaim, t'minna t'koulou fi ajmal ahwal. Had nhar n'qaddem l'kom wasfat koreyat l'lahm l'mafroum bil orz. Khalikoum m'aya bach t'choufou l'maqadir ou tariqa t'tahdir. Pour les ingrédients, j'aurai besoin 600 g de viande hachée, la sauce tomate, 400 g ou à peu près 4 tomates, un oignon et j'aurai besoin un verre de riz, deux gousses d'ail et un petit peu de persil. Et pour les épices, j'aurai besoin du sel, poivre, gingembre, curcuma, cumin et paprika. بالنسبة للمقادير راح احتاج 600 غرام ديال الكفتة او اللحم المفروم، راح احتاج صلصة طماطم، عندي 4 طماطم، بصلة مفرومة على هذا الشكل، عندي كاس ديال الارز وفصين ديال الثوم، شوية ديال المعدنوس. وبالنسبة للتوابل او البهارات راح احتاج ملح وابزار وخرقوم او كركم وسكنجبير وشوية كمون وشوية فلفل احمر حلو. Première chose, je cuis le riz une demi-cuisson, juste 5 minutes. Je vais l'orz nisf teba, comme ça, il y a première chose, je vais mettre la viande hachée dans un plat pour mélanger. Awal chay, ghadi ndir l'kifta f'ina l'khams. Juste une gousse d'ail, غادي نضيف غير فص ديال الثوم واحد. Et j'ajoute un petit peu d'oignon, وراح اضيف شويه بصل. Voilà. Un petit peu de persil, شويه ديال المعدنوس. Et je vais mettre les épices sur la tawabil, la moitié de petite cuillère de sel. Des fois, je suis dit le melh, daiman ala hasab dawq. Toujours la moitié de petite cuillère de gingembre. Nisf mil'aqa sghira dial skinjbir ma'a nisf mil'aqa sghira dial khurqum aw lkurkum. La moitié de petite cuillère aussi de curcuma. Et pareil pour le poivre. Nous sommes dial fulfla, kihla ou le fulful aswad. Ou bnisba tchmera ou le fulful ahmar lhalo, melaka sghira. Paprika, une petite cuillère. Et la moitié de petite cuillère aussi de cumin, nisf mil'aqa sghira dial kmoun. Je vais ajouter le riz. Donc j'ai cuit le riz demi-cuisson, bnisba l'orz ghir nisf tayba, 5 minutes. Là je vais bien mélanger, ghadi nkhallat lkol. Et maintenant, je vais faire des petites boulettes. غادي ندير كويرات صغيره. بالنسبه للاشخاص اللي يحبوا يقللوا كميه الارز يقدروا يديروا كميه قليله. Donc pour ceux qui veulent diminuer la quantité du riz, ils peuvent.
Dans le tagine, je vais mettre l'oignon. On peut remplacer le tagine par une marmite ou une poêle. Tagine, on va mettre le basal, comme je l'ai dit, on peut le tagine avec tajra ou la mokla. Je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive et je vais ajouter un peu de zeyt zeytoun. بالنسبة للزيت على حسب الرغبة. Et je vais laisser revenir 5 minutes وراح اخليها تستقل 5 دقائق. J'ajoute le gousse d'ail, l'autre gousse d'ail وراح اضيف الفص الثوم اللي خلينا. Après j'ajoute la sauce tomate, on va ajouter salsa de tomate. J'ajoute un petit peu de sel, on va ajouter un chouïa de sel. Un petit peu de poivre, chouïa de fufla, ou le bzar. Paprika aussi, je vais dire la tamara. Et un petit peu de cumin, je vais dire le cumin. Et je laisse 5 minutes aussi au radin khalliha tib ala rahta 5 daqayq aidan. Et maintenant, je vais mettre la viande hachée ou les boulettes de viande hachée. On va mettre les boulettes de viande hachée. Je mets un petit peu de persil, regardez, chouïa de madnous et un peu de salouge. Et je laisse cuire de 15 à 20 minutes. On va laisser cuire de 15 à 20 minutes. On va laisser cuire. Et voilà mes amis, après 20 minutes, voilà ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي اليوم أصدقائي, إلى عجبتكم الوصفة كالعادة ما تنساوش تحطوا لايك, تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد, وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.